Donc pour vous dire la difficulté, la discipline de l'endurance ensuite a essaimé en Europe, où c'est la France qui est en tête, qui s'est très rapidement imposée par la qualité de son élevage, par la technicité des entraîneurs et des cavaliers. Voilà, nos juges, nos trois juges sont à pied d'œuvre, ils sont avec... la classe suivante des femelles de 2 ans. Nous avons 9 2 ans. Très jolie classe, très fournie. Il y aura 4 pur sang arabes, le reste étant des demi-sang arabes. Ce qui n'est absolument pas péjoratif, comme on vient de le voir. Voilà, quelques minutes pour nos juges, pour qu'ils se fassent une idée de la qualité de la classe. Voilà, et on repart vers le rond d'Avrincourt, où nous allons accueillir le premier concurrent. Il s'agira du numéro 10. Voilà, on commence avec la section des pur sang arabes, donc pouliche de 2 ans. En piste, la première concurrente, la numéro 10, se présente. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour les finales nationales réservées aux chevaux arabes et demi-sang arabes pour l'endurance, organisée par l'ACA, l'Association française du cheval arabe, et la SHF, la Société hippique française. Société hippique française, qui depuis de très nombreuses années a en charge la sélection et l'encouragement de l'élevage du cheval de sport dans toutes les disciplines. L'endurance l'a rejoint dans les années 90. Et c'est un beau partenariat que nous avons entre l'association de race nationale et la société mère des jeunes chevaux de sport. Donc, un premier arrêt pour la numéro 10. Jugement du modèle pour 50 points sur un total de 100 avec un coefficient 2 pour les membres. Une note pour l'avant-main, l'arrière-main et la ligne dessus également sans coefficient. On aura une note pour l'expression d'ensemble. Il y aura ensuite un aller-retour au pas et une mise en liberté pour juger des allures qui comptent pour la moitié du total, donc pour 50 points, avec un coefficient 3 pour l'aisance et l'amplitude, un coefficient 2 pour la symétrie et la rectitude. Donc des critères capitaux pour ce qui concerne les chevaux d'endurance. Voilà, là on est dans l'aller-retour au pas, donc symétrie et rectitude pour cette première pouliche de 2 ans.
Voilà, jolie présentation pour cette première concurrente chez les Pouliches de 2 ans pour cette finale nationale. Voilà, on va la reprendre et elle va nous quitter. Voilà, il s'agissait de la numéro 10, il s'agissait de Jeanne de Bozoul par Zalko Raïs et Kenja de Bozoul par Aïd de Zagachiol appartenant à la société Mesagri. En piste, la numéro 11. Prochaine concurrente également dans la section des pur sang arabes. Places that I've been, the faces mine. Et l'aller-retour au pas, en vous rappelant que nous avons 9 pouliches au total dans cette très belle classe. C'est la seconde concurrente qui est en piste. Allez, le retour au trot. Et une minute ou deux de liberté. À noter le très très beau comportement de ses concurrents jusqu'à présent. Une jeune poulain des Pouliches qui se comporte très bien dans ce rond d'Avrincourt. Voilà, trot, galop, équilibre, tout ça c'est jugé, noté. While you come.
sûr ce coefficient pour l'aisance et amplitude de 3, avec 2 pour la symétrie et la rectitude. Voilà, très jolie présentation pour cette pouliche numéro 11. Égal Jextra par Extravagant d'Artagnan et Égal Quartz par Taouki Elmassan, appartenant à Noël, à Marie-Noël Juste, qui est également le naisseur. Troisième concurrente en piste, la numéro 12, toujours dans la section des purs sangs arabes. De très très beaux prix pour récompenser ces arabes et demi-cents arabes d'endurance aujourd'hui sous un magnifique soleil sur ce beau terrain du Sichon de la SHF. Un stade équestre historique. Je crois que les tribunes sont classées d'ailleurs. Elles n'ont pas changé depuis le début du siècle dernier. Le terrain du Sichon a accueilli les tout premiers concours hippique, comme on appelait à l'époque les épreuves de saut d'obstacle. Voilà, c'est la phase de liberté donc pour la numéro 12, une pouliche de pur sang arabe. Encore une autre dans cette section, dans cette finale nationale réservée aux 2 ans femelles.
C'est la numéro 13 qui est en piste. La 12 vient de nous quitter. C'était Charada Evo Pegasus par Poganin et Chamuska par Estachan Ibn Estopa, appartenant à Miroslav Rokovski, qui est également le naisseur. En piste donc la numéro 13, c'est la dernière concurrente de pur sang arabe dans cette finale nationale réservée aux femelles de 2 ans. Nous aurons ensuite 5 demi-sangs arabes à passer. Voilà, nous constatons avec plaisir qu'il y a un peu de monde dans les tribunes et qui fait plaisir par ces temps un peu compliqués que nous connaissons. Du monde dans les tribunes, du monde dans les écuries, devant, derrière, c'est parfait. Très belle ambiance et des chevaux détendus pour ces finales nationales réservées aux futurs performeurs d'endurance dans les races arabes et demi-sang arabes. Tour au trot. Et la mise en liberté. Alors que nous sommes toujours avec la numéro 13, j'en profite pour vous rappeler que à l'issue de la remise de prix de cette finale nationale, il y aura un break pour midi et nous recommencerons, je crois, à 14h, donc pour la suite de notre programme. La numéro 13 nous quitte, c'était Génofée de Bozoul par Med Zagatchol et Nadia Alfé de Boz par Melfik Dalozé, appartenant à la société Mesagri, qui en est également le naisseur.
Avec le numéro 14, on entre dans la section des demi-sons arabes. Il y en aura 5 à passer. Donc c'est le premier d'entre eux, donc demi-son arabe, numéro 14 en piste. Pas dessiné du numéro 14, suivi de l'aller-retour au trot. Voilà, très jolie présentation de la numéro 14, la première demi-son arabe en piste dans cette finale nationale réservée aux femelles de 2 ans. Voilà, on la reprend toujours dans le calme et la confiance. Donc c'était Jarmila Delafage, née et élevée par Gilles et Mireille Raclin, une fille de Gamil des Ormeaux et Carta par Saïd Lotois. C'est la numéro 15 qui nous vient. Toujours une demi-son arabe. Thank you.
Voilà l'épreuve de liberté maintenant pour notre numéro 15. Voilà, je crois qu'on va pouvoir la rattraper. C'est une très belle présentation de Jezabel de Siska par Gestar de Siska et Altesia des Vabres par Luc Casanova, appartenant à Audrey Lyotard et élevé par Jean-Baptiste Roy et Audrey Lyotard. Encore trois pouliches de 2 ans à passer dans la section des demi-sons arabes et nous allons accueillir la numéro 16 de votre programme. Voilà, la numéro 16 se présente à l'arrêt pour nos juges Didier Rivière, Marc Verret et Yves Richardier. Jugement du modèle pour un total de 50 points sur 100. Coefficient 2 pour les membres. Note d'expression d'ensemble également coefficient 2. Voilà, et on passe aux allures maintenant avec l'aller-retour au pas, puis au trot. Don't stand a chance.
vous rappelant que les notes seront annoncées lors d'un remise des prix pour les trois premiers. Trois premiers de classe pour les classes de moins de 10 concurrents et les cinq premiers à partir de 10. Voilà, mise en liberté maintenant. Et c'est parti. Voilà, jolie présentation de la numéro 16. Il s'agissait de Jugoa du Bas-Palais par Oumar Dalentin. Une fille de Fidji des Palais par Sade Perse, appartenant et élevée par Georges Couré. Plutôt que pouliche à concourir, tout d'abord la numéro 17 qui nous vient. Un petit peu impressionné notre numéro 17. On va essayer de la mettre à l'arrêt pour nos trois juges, Yves Richardier, Marc Verret et Didier Rivière. Donc c'est bon, on part pour l'aller-retour ou pas. Cherche un pas long, très engagé, équilibré, très droit. Rectitude et souplesse. Et on part au trou. À l'arrêt. Thank you.
En piste, nous avons la numéro 17. Une pouliche de 2 ans, de 2100 arabes. Pour une très jolie présentation. Voilà, on peut la reprendre. Si elle veut bien s'arrêter. Voilà. Plus qu'une pouliche à passer. Et nous rattrapons donc la numéro 17. Il s'agit de Jala de Tichard par Osborne et Razi de Kerivoal par Damiro. Élevé propriété de Julie Gobert. C'est la dernière concurrente qui va entrer en piste, la numéro 18 de votre programme. Je crois qu'il faut vraiment féliciter les présentateurs, les éleveurs qui viennent des quatre coins de la France nous présenter leurs poulains et pouliches pour ces finales nationales d'endurance organisées par l'ACA et la SHF. De jolies présentations des chevaux en état. Confiants pour une présentation très ordonnée et très pro. Et comme le soleil est de la partie, nous sommes en train de passer une très agréable journée en votre compagnie. Avec ces superbes jeunes chevaux d'endurance qui représentent l'avenir du sport. Ce sont de futurs performeurs que nous regardons. Et qui sont encouragés par l'ACA et la SHF. Voilà, on va la mettre en liberté, notre numéro 18, donc la dernière à partir dans cette classe. Une très belle classe à laquelle nous assistons. Je ne sais pas quel sera le verdict et le classement final, mais en tout cas, on a vu de très jolis spécimens, arabes et demi-sang.
C'était donc la dernière partie, la numéro 18. Il s'agissait de Jalia de la Palune par Katmandou Moutes et Amourat Shonet P par Magdan Tano, né et élevé chez Reynaldo Sapone. Le temps de compiler les résultats, de vous donner le classement, et nous allons avoir notre remise des prix au milieu du rond d'Avrincourt. Un très beau week-end nous attend, le soleil est annoncé de la partie pour l'ensemble du week-end. Donc dès 13h30, nous reprendrons nos épreuves après la remise de prix de cette classe avec les mâles et ongres de 2 ans, c'est donc la classe 4. En classe 5, nous aurons les femelles de 3 ans. Et la dernière, ce sera les mâles et ongres de 3 ans également. Il y aura un best in show donc pour l'ensemble des gagnants, des vainqueurs de finale nationale. Best in show chez les mâles et chez les femelles. Une bonne nouvelle pour nos éleveurs ou présentateurs, vous pouvez retirer vos protocoles, donc c'est à la tribune d'honneur, sur la tribune et non pas au secrétariat. Il vous sera demandé de prendre une photo donc du protocole afin de gagner un peu de temps, et ça ce sera donc pendant l'heure du déjeuner jusqu'à 12h30 à 13h30 je pense. Voilà, vous pourrez également récupérer votre classement si vous n'êtes pas au rappel. Donc votre classement et les détails de notes avec les commentaires vous seront disponibles. Donc ça, c'est à l'heure du déjeuner. Donc dans quelques instants, la remise des prix, le classement donc, des pouliches de 2 ans. Voilà, nous sommes prêts pour notre rappel dans quelques instants. Malheureusement, il y a moins de 10 concurrents, donc les 3 premiers seulement seront rappelés. L'ensemble de la classe est en train de défiler pour notre plaisir et nous appelons au centre du rond de présentation la gagnante. Il s'agit de la numéro 10, Jen de Bouzoul, avec 82,50. Félicitations. Appartenant à Mézagri, elle remporte cette classe, 82,50 de moyenne. Bon alors excusez-moi, autant pour moi, apparemment c'était pas la première. La première c'est la numéro 11, Égual Jextra, par Extravagant d'Artagnan et Égual Quartz. Avec mes excuses à Mézagri donc pour cette méprise. À la seconde place nous avons Charada Evo Pegasus, appartenant à Miroslav Rogovski.
Et à la troisième place, c'est Génofé de Bozoul, appartenant à Mézagri cette fois-ci, pas d'erreur. Donc nos félicitations à Égual Jextra. C'est la pouliche qui est au milieu, appartenant à Marie-Noël Juste, une fille de Extravagant d'Artagnan, Égual Quartz par Taouki El Massan. Elle remporte cette classe avec 82,50. Félicitations. À la seconde place, nous avons Charada, Evo Pegasus, propriété de Miroslav Rogovski. C'est une fille de Poganin et Chamuska par Estachan et Benestopa. Et la troisième place, c'est Génofé de Bozoul, appartenant à Mézagri. Une fille de Med des Agatcholes et Nadia Alphé de Boz par Melfic d'Alauzé. Voilà, mes excuses pour cette petite méprise au début de la remise de prix. Nous allons procéder maintenant au tour d'honneur. Voilà, mené par Égual Jextra, suivi de Charada, Evo Pegasus et Génofé de Bozoul. Donc n'oubliez pas de retirer vos protocoles auprès du secrétariat qui se trouve dans les tribunes des invités, la tribune d'honneur de l'ASHF. Vous pouvez prendre une photo du protocole et il vous sera donné votre classement au cas où vous n'auriez pas été à la remise des prix. Bravo à tous. Donc une interruption jusqu'à 13h30 où nous reprenons donc les épreuves avec les 2 ans mâles suivi des 2 classes de 3 ans. À tout à l'heure.